Ah oui, c'est l'égalisation Antoine Griezmann. Parce qu'il est à l'origine Antoine Griezmann. Gareth Bale, le mur est passé. Oh, Johan est battu. La faute de main peut-être du gardien. Mais c'est le héros gallois, c'est l'homme qui fait les débuts. De Mago Evina, qui s'était imposé. Oh, la volée. La volée de Luka Modric. Le talent. Confirmation. Luka Modric qui permet à la Croatie de mener 1-0. Ah, le but pour Blachikovski. Blachikovski le rate. Et la frappe pied gauche, délicieusement enroulée de la part de Jakub Blachikovski. Naïvement, j'allais dire, les Ukrainiens se font prendre sur ce corner à deux. Ils ont mal négocié les deux contrats. Pour Nainggolan qui peut frapper de loin. Et le but du ninja Radja Nainggolan, le joueur des Giallorossi de l'AS Roma. Nainggolan pour son deuxième but. Entre Robson-Kanu, ouais, il faut le remiser. Oh, Robson-Kanu, oh, le but. Le but de Robson-Kanu qui va donner l'avantage. Égal Robson-Kanu, ça fait 2-1 pour les Gallois. Deuxième but de Kanu dans cet euro. Oh, il est sur les appels au centre de balle pour Ronaldo. La déviation talonnade, formidable, exceptionnel de Cristiano Ronaldo. Tout de suite, les Portugais reviennent à 2-2. Glisse ce ballon à Payet. Oh, l'exploit Dimitri Payet qui vient sauver les Bleus encore. C'est pas un coup franc, mais c'est un maître coup de pied. Encore avec Marek Hamšík qui va frapper. Et là-bas, le but. Et ben le voilà, le seigneur napolitain des Slovaques, monsieur Marek Hamšík pour le de son équipe dans la deuxième mi-temps. La remise, la frappe. Oh, but. Monsieur, but extraordinaire.